Joueur de Bissot. Quand elle est là, elle va baisser. Félicité. Hein? Et le Moumou, sa douleur avait suscité beaucoup d'émotion. Et bien, son sourire. Meshack Elia, le héros de cette finale, 4 buts dans cette compétition, meilleur buteur du Chan avec Armel Akaishi et Elvis Katara. Doxa Jikanji lui aussi qui reçoit sa médaille. Il aura marqué un but magnifique, certainement l'un des plus beaux de cette compétition lors du quart de finale face au Rwanda, mais le plus beau sera certainement, très certainement, celui de Meshack Elia, dont le sourire restera dans l'histoire de cette finale et dans l'histoire de cette compétition. Et Joël Kimwaki, le capitaine, qui patiente. Et c'est peut-être lui finalement qui va soulever la coupe. Et ces moments qui font un joueur de foot sont évidemment inoubliables. Représenter son pays. À l'échelon international et parvenir à briller, à donner de la joie à son pays. C'est ce qu'ont fait les Léopards. Et donc c'est bien lui, c'est bien Joël Kimwaki qui a inscrit son nom plus que celui de son équipe au palmarès de cette compétition, car il devient le seul joueur à l'avoir remporté 2 fois pour 4 participations. Et Joël Kimwaki qui va soulever la coupe sous les bras, jusqu'à la main en haut, l'explosion de joie. La RDC est championne d'Afrique. La RDC remporte pour la 2e fois ce Chan. Et la RDC entre dans l'histoire de cette compétition. La RDC qui va s'apprêter à soulever, à fêter sa joie collectivement. La RDC qui est désormais sur le toit d'Afrique. On se quitte sur ces images de joie, sur ces images de la RDC vainqueur. Et ces visages, cette jeunesse de Meshack Elia, de Molingi Mpongi, qui recouleront à nouveau les pelouses de cette compétition et qu'on aura certainement plaisir à revoir. On vous remercie d'avoir suivi cette grande compétition qui se termine donc sur cette victoire de la RDC. De vous la faire vivre. Merci à tous. Et,